Bonjour. Même préambule que dans mon audio précédent consacré à la douleur, cette séance n'a pas pour vocation de vous soigner, mais est destinée à vous permettre de diminuer votre perception de la douleur en modifiant le regard que vous portez dessus et le lien que vous entretenez avec cette douleur. En effet, cette méthode ne se substitue à aucun traitement médical, alors si en parallèle vous vous êtes assuré d'un suivi médical adapté, je vous propose de travailler sur votre gestion de la douleur. Assurez-vous d'être installé bien confortablement, sachant que vous pourrez modifier votre position à tout moment si vous en ressentez le besoin. De la même manière, sentez-vous libre de recevoir les suggestions qui vous conviennent et de simplement laisser passer celles qui ne vous correspondraient pas. En effet, je ne vous impose rien, je propose et vous prenez exactement ce que vous voulez. Avant de commencer, je vais vous demander d'évaluer votre niveau de douleur sur une échelle de 0 à 10. 0 étant une absence totale de douleur, 10 étant la douleur la plus insupportable qui soit. Je vous inviterai à réévaluer ce chiffre à l'issue de la séance. Bien sûr, cette technique n'a pas la prétention d'arriver à zéro, mais bien de descendre dans votre échelle, et donc d'atténuer le mal-être lié à votre ressenti. Juste un mot pour bien comprendre ce que vous vivez lorsque vous avez mal, et comprendre ainsi ce que nous allons faire ensemble par le biais de l'hypnose. La douleur présente une composante sensorielle et une composante émotionnelle, qui sont intimement liées. L'hypnose va pouvoir être utilisée pour en modifier l'une et l'autre. La douleur est une sensation très subjective, ce qui implique qu'il est tout à fait possible d'influencer volontairement cette perception, afin de diminuer la sensation douloureuse. Reprendre le contrôle de la douleur, alors que la douleur avait pris le contrôle du corps et de l'esprit. Ne plus se sentir impuissant et vulnérable, mais conscient d'avoir un certain contrôle sur les choses qui nous affectent. Aider notre subconscient à transformer nos ressentis pour qu'ils cessent de nous nuire, de prendre toute la place. Alors allons-y. Je vous invite à fermer les yeux pour entrer en vous-même, vous soustraire quelques minutes au monde environnant et vous consacrer uniquement à vous. Maintenant, afin de faire le vide, vous pouvez effectuer quelques profondes respirations abdominales à votre rythme, sans forcer. La main sur votre ventre, vous respirez en le gonflant, puis en le relâchant, tel un ballon de baudruche. À l'inspiration, imaginez une lumière qui se diffuse en vous en déposant du calme dans les moindres recoins de votre être. Et à l'expiration, c'est de l'air chargé de votre douleur qui s'échappe de votre corps. On inspire le calme, l'apaisement. Et on expire la douleur, les tensions en nous. Je vous laisse faire quelques instants. Continuez à respirer de façon régulière et imaginez que vous êtes sur une plage, paisiblement allongée sur le sable chaud. Vous percevez le bruit des vagues qui s'échouent non loin de vous.
Une légère brise vous rafraîchit agréablement. Portez votre attention sur votre environnement et dessinez mentalement le paysage idyllique qui vous rassure. Voyez les rayons du soleil qui scintillent sur les vagues. Humez l'air iodé que la mer vous offre. Et prenez conscience que vous êtes en parfaite sécurité. À chaque inspiration, l'air viendra nourrir vos cellules et prendre soin de votre corps, détendre votre organisme et à l'expiration, vous libérerez toutes les tensions contenues en vous-même. Respirez et ressentez le calme qui vous envahit au niveau de la tête. Détend tous les muscles de votre visage. Votre front est apaisé. Vos paupières sont détendues, simplement closes sur vos yeux. Les muscles des joues se décontractent, de même que votre mâchoire. La détente progresse dans le cou, la nuque, et vient relâcher vos épaules. Elle poursuit son parcours au niveau de vos bras, de vos coudes, de vos avant-bras, puis de vos mains jusqu'au bout des doigts. Peut-être s'accompagne-t-elle d'une sorte de chaleur ou de picotement. Accueillez ces sensations très simplement. Vous inspirez et vous diffusez cet apaisement au niveau de la cage thoracique. De votre poitrine. De votre ventre qui se décontracte. Le calme encercle à présent votre taille, se diffuse au niveau de vos cuisses et vous le sentez progresser dans vos genoux, vos jambes, relâchant les muscles des mollets, de vos chevilles et de vos pieds. Prenez conscience de votre corps dans son ensemble, détendu et apaisé. Connectez-vous à cette onde de bien-être qui parcourt votre corps au même rythme que celui des vagues et qui vous emporte dans un état de douceur, de lâcher prise et de sérénité. Maintenant que vous êtes détendu, vous allez visualiser mentalement votre douleur. Très précisément, voyez l'endroit de votre corps où elle se manifeste.
Lorsque c'est fait, symbolisez votre douleur à l'aide d'une image très simple et précise. Un gros cube, à l'image d'un dé à jouer 10 fois plus imposant. Nous allons demander à votre inconscient de déplacer votre douleur dans ce cube. Elle quitte la zone sensible de votre corps et s'installe dans le cube. Vous ressentez toujours les sensations douloureuses, mais vous les avez placées à l'intérieur du dé. Fixez-le en retirant toutes les intentions et analyses que vous faisiez avant. On ne juge plus nos ressentis, on les décrit de façon neutre et détachée, factuelle. Ce que vous nommiez douleur revient maintenant à l'état d'inconfort. Imaginez que vous prenez ce cube au creux de vos deux mains. Vous avez dans vos mains votre inconfort. Vous le sentez, sa lourdeur, ses aspérités rugueuses, les tranches du cube, le froid de la matière, sa dureté. Ressentez les points imprimés en relief sur les faces. À présent, nous allons modifier ce cube. Je vais passer en revue avec vous chacune de ses faces. Et à chaque fois que j'en prononcerai le numéro, vous imaginerez que vous tournez le cube pour découvrir la face annoncée et le message qui s'y trouve à l'adresse de votre inconscient. 1. Je ne considère plus ce que je ressens comme de la douleur, mais comme un inconfort. 2. Je lui retire toutes les intentions ou analyses que je faisais avant. Je ne juge plus ce que je ressens. 3. Je résume ma sensation en un seul mot très factuel, un inconfort. Et maintenant vous faites tourner le cube dans votre main. 2. Cet inconfort est passé de mon corps à ce cube. Il ne fait plus partie de mon être. Je le tiens là, dans mes mains, et j'en reprends donc le contrôle. Je décide de ce que je vais faire de cet inconfort. Soit il prend toute la place, soit je ne lui accorde plus d'importance. Je ne le laisse pas me définir, influencer mon moral, mon humeur, mes relations sociales, mon bien-être. Je choisis le bien-être. C'est à lui que je vais accorder de l'importance, aux dépens de cet inconfort que je cesse de combattre pour réserver mon énergie à ce qui me fait du bien. Je ne suis pas en guerre contre ce que je ressens.
je l'accueille et je choisis la place que je lui permets d'occuper en moi. Six. Maintenant, vous imaginez refermer votre main sur le cube et donc sur votre douleur. Vous ne le voyez plus, mais le ressentez au creux de votre main. Prenez un instant pour prendre conscience de sa matière sous vos doigts. En le visualisant, vous pouvez répéter cette phrase plusieurs fois en vous-même. Ce que je ressens est un inconfort. C'est juste un inconfort. Ce que je ressens est un inconfort. Est un inconfort. C'est juste un inconfort. Juste un inconfort. Juste un inconfort. Juste un inconfort. Afin de renforcer cet exercice et de le finaliser, nous allons opérer une anesthésie locale de ce qui reste de votre sensation avec l'aide du gant magique. Vous choisissez la main que vous souhaitez et vous allez enfiler ce gant tout doucement. D'abord les doigts, puis remontez doucement jusqu'au poignet. Ensuite, tout le long de votre avant-bras, votre bras, jusqu'au coude. On recommence. Nous allons répéter ce même geste. Ressentez le bout des doigts en contact avec le gant qui endort immédiatement la partie qui l'enveloppe. Endort les ongles, les phalanges, la paume de la main, le dessus de la main. Le poignet est endormi, puis le gant couvre et endort l'avant-bras. Et enfin le coude. Votre bras se libère de toute sensation et s'endort. Et nous faisons ce geste avec beaucoup de délicatesse. Nous le répétons jusqu'à ce que notre main, notre bras soit complètement endormi, comme anesthésié totalement. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus de sensation au niveau de ce bras, de cette main qui devient lourde, très lourde. Et si nous avons une douleur, c'est le moment de pouvoir utiliser cette main anesthésiée. Nous allons maintenant transmettre dans la détente l'anesthésie de notre main sur la région douloureuse, sur la région tendue. Faisons ce mouvement ensemble. Mentalement, vous allez poser votre main sur l'endroit sensible de votre corps. Imaginez, visualisez, ressentez cette main qui transmet son pouvoir anesthésiant sur la région endolorie. Ressentez l'effet anesthésique qui prend place, qui passe de votre main à cette zone de votre corps.
qui l'apaise, qui l'endort. Et nous répétons ce geste jusqu'à ce que petit à petit nous retrouvions les sensations dans notre main et que la région douloureuse devienne à ce moment complètement endormie. Prenons le temps d'intégrer, toujours dans le calme, l'intériorisation, la détente profonde, l'anesthésie de la douleur. Nous pouvons profiter encore de cet instant de calme à l'intérieur de nous-mêmes pour laisser venir à notre mental une image agréable, positive, très agréable. Très bien. Imaginez à présent que vous rouvrez vos mains. Et constatez combien votre cube a diminué de volume. Il a à présent la taille d'un dé classique, beaucoup plus petit, plus discret. Redéposez-le doucement à sa place et dites-lui au revoir. Il a eu votre attention. Maintenant, vous pouvez vous consacrer à d'autres choses. Des choses qui vous font du bien et que vous aurez choisies. Retrouvez votre plage et ses senteurs, la douceur de son sable et le calme de cet environnement tranquille. Voyez-vous vous lever et faire face à la mer. Immense, majestueuse, infinie. La lune apparaît discrètement, tandis que le soleil se couche à l'horizon. Et vous offre un spectacle lumineux, comme un kaléidoscope de couleurs chatoyantes. Le bleu du ciel se fait plus intense. Les oiseaux migrent et se dirigent vers d'autres cieux. Tranquillement, à votre rythme, les pieds bien ancrés dans le sol, vous quittez cette plage, sachant que vous pourrez la retrouver au gré de vos envies. Et de la même manière, à votre rythme, vous allez reprendre conscience de votre environnement, ici et maintenant. Conscience de votre position. Des points d'appui de votre corps sur le support. Et lorsque vous le souhaitez, vous pourrez rouvrir les yeux et poursuivre vos activités.
mandala. Cette séance s'achève et je vous invite, comme prévu, à réévaluer votre sensation douloureuse sur une échelle de 0 à 10. Si vous le souhaitez, merci de m'indiquer votre résultat en commentaire sur cette page, afin que je sache si ce que je vous ai proposé a pu vous aider. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit, et si vous faites cette séance avant de vous endormir, vous pouvez choisir l'un de mes audios destinés au sommeil pour poursuivre votre relaxation dans ce sens. À bientôt !